Eh oh, il y a quelqu'un ici? Pitié, restez, je ne veux pas... Qui êtes-vous? Je suis Cyrus. Moi, habite avec maman. Dans l'étable. Dans l'étable? L'étable? Maman en danger, vous devez venir. Quoi? Allons! Thank you.
Madame, avec Cyrus, je voudrais m'excuser. Je vous ai fait des problèmes, je sais. Pas vrai, Cyrus? Pas vrai, Cyrus? Hein? Oh, oui. Vous n'avez pas à vous excuser, Henriette. C'était un accident. Mais maintenant, vous allez devoir partir avec votre fille. C'est une propriété privée. Ouais, je pensais à tout ce bazar, votre propriété, tout ça. Et c'est vous qui avez besoin de nous, vous et nous. Que dites-vous? Ouais, vous et votre petit chéri, comment que vous allez faire pour vous occuper de tout ça, hein? J'avoue que je ne sais pas, vous marquez un point. Bon, regardez donc mon petit, il est fort comme un bœuf. Il peut travailler dur, même dehors. Et moi, je donnerai un coup de main dans la maison. Je suis très bonne ménagère. Oui, je peux voir ça. Alors, ça vous plaît, hein? On le fera pour rien. Juste nourri logé. Quand même, vous allez pas nous laisser dans le froid. On n'a nulle part où aller. Bon, ok, c'est oui. Vous pourrez commencer dès demain. Venez me voir demain matin pour arranger tout ça. Youpi! On a trouvé un boulot, Cyrus. Attends, c'est quoi votre nom, madame? Adrienne. Adrienne Delaney. Mon mari, c'est Don Gordon. Contente de vous connaître, Adrienne. Mais que faites-vous? Je suis voyante. Les lignes parlent. Permettez. Non, merci. Oh, comment? Laissez-moi. Pas banal, cette ligne de vie. Oui? Elle est très longue. C'est bon! Et puis? Mais cette étrange ligne qui la croise au milieu... Je me demande ce que c'est. Ah, pas grave, ça veut rien dire. Bon, allons, fils, c'est l'heure du souper. Et voilà.
Ouais, ça marche. Oui. Le vampire de John Paulet Dory. À Malcolm de la part de Zoltan. C'est ce vieux type là? Bon chien. Gentil, gentil. Ouais, qu'est-ce que c'est? Je me demandais... Oui? Je me suis perdue. La ville, c'est par où? C'est par là.
Vous revenez? Je vous ai déjà dit non. Attendez! Bien. J'ai trouvé ce livre dans la tour. Regardez. Une petite minute. Très bien, vous pouvez entrer. Merci. Malcolm, elle est ici. Malcolm, elle est ici. Approchez. Par ici. Vous habitez la maison de Carnot? Oui, monsieur. Vous avez mon livre? Oui, monsieur. Non, pas monsieur. Je n'aime pas ça. Ça me vieillit. Non. Mais... comment dois-je vous appeler? J'ai un nom. Malcolm, c'est fait pour ça. Malcolm, c'est vrai que vous viviez avec Carnot quand vous étiez jeune? Vous dormiez dans la tour? Ouais, j'y ai dormi. C'était ma chambre. Et comment était Carnot? Silence. J'ai une question pour vous. Et puis après ça, vous devrez partir. Ah. Allez-y. Dites-moi, dans la maison, est-ce que tout va bien? Je pense. Que voulez-vous dire? Oh, c'est ce que je voulais entendre. Je suis fatigué. Partez maintenant. Mais... Dehors. Bien, merci. Dieu, tu m'as fait peur! Et où étais-tu passé toute l'après-midi? Nulle part, dans le coin. En ville. Je croyais t'avoir dit de ne pas fréquenter ces gens-là. De quoi tu parles? De quoi je parle? De ces imbéciles de la ville. Oh, c'est ridicule. Je n'ai pas fini, petite sotte! Tu veux me donner des ordres? Et toi, tu étais où? Ça ne te regarde pas, chérie. Très bien, tu sais quoi? Tu t'occupes de tes affaires et je m'occupe des miennes. Ouais, c'est ce qu'on verra.
Laisse-moi tranquille. Ha ha ha!